Bonjour Benjamin Blavier. Bonjour. Tu es le cofondateur et le coprésident d'Article 1. C'est une association qui lutte pour l'égalité des chances. En quelques mots, c'est l'accès de tous à l'éducation, mais tu vas nous en parler davantage. Mais tu vas nous dire d'abord où est-ce qu'on est ici, parce qu'on n'est pas dans n'importe quel endroit. Ici, nous sommes chez Article 1, ouais. Au sein de l'ascenseur, qui est un immeuble qui a vocation à abriter 19 associations qui travaillent sur les enjeux d'égalité des chances en plein cœur de Paris. L'idée, c'est que tu as beaucoup d'associations qui travaillent sur l'égalité des chances de manière disparate. Et donc, nous, on voulait avoir dans un endroit des assos qui travaillent sur l'accès à la culture, l'accès à l'école et l'accès à l'emploi pour tous. Et le parti pris, c'est de le faire en plein milieu de Paris, dans un immeuble classique haussmannien. Parce qu'en gros, notre message, c'est de dire l'intelligence et les talents sont partout et ils ont aussi le droit de venir à Paris dans les codes, on va dire, classiques, en plein cœur de la ville et qui plus est, juste à côté de la Bastille, là où on a commencé il y a quelques centaines d'années à faire une révolution. Alors, pourquoi ce combat sur l'égalité des chances ? Écoute, ce combat, il est absolument nécessaire. Quand on regarde les chiffres, très simplement, la France fait partie du dernier quart des pays développés quand tu regardes le poids de ton origine sociale sur ton parcours d'études. Voilà, donc ça signifie que, contrairement à ce qu'on aimerait croire, l'ascenseur social en France ne marche pas, l'école a un peu du mal à remplir ce rôle. C'est pas à faute de bonne volonté, les enseignants restent les premiers militants, la première ligne de front de l'égalité des chances, mais ils ne peuvent pas tout résoudre. Alors Article 1 travaille sur trois sujets. On travaille sur l'orientation d'abord, c'est-à-dire faire en sorte que à résultat équivalent, un jeune de milieu populaire puisse avoir les mêmes projections d'enseignement supérieur qu'un jeune issu de milieu favorisé. Et c'est loin d'être le cas. Aujourd'hui, il y a un delta de l'ordre de 38%. Deuxième métier, c'est d'accompagner dans l'enseignement supérieur pour faire en sorte que ces jeunes aillent le plus loin possible et qu'ils puissent devenir, pour un certain nombre d'entre eux, des exemples de réussite scolaire, donc puissent inspirer des plus jeunes en se disant « l'école, ça peut être une voie d'émancipation pour moi ». Et puis aussi, l'idée, c'est de faire en sorte d'avoir dans les entreprises, dans les administrations, des jeunes qui soient des exemples de réussite et qui chamboulent les stéréotypes qui existent quand même aujourd'hui fortement contre cette jeunesse. Et le troisième métier, c'est le métier de l'accès à l'emploi, qu'on travaille avec un angle particulier qui est celui des compétences transversales. Alors, Article 1 est né en 2017, mais en même temps, ce combat ne date pas d'hier. Tu as créé Passeport Avenir, d'abord, c'était en 2005 ? Oui, c'est ça, c'était 2005, ouais, exactement. Ça vient d'une histoire où moi, j'étais en entreprise. Je voulais recruter, moi, des jeunes cadres à l'image de la France, donc dans toute sa diversité. Et je ne trouvais pas les ingénieurs. J'avais regardé ce qui pouvait se faire et le constat, c'était à côté des questions que l'école doit se poser sur les modes de sélection, la carte scolaire, etc. Il y a une vraie place pour mobiliser des gens qui sont aujourd'hui dans le monde professionnel pour qu'ils amènent à ces jeunes à la fois la dimension d'information, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la vie après l'école, les métiers, les codes, etc., le réseau. Voilà. Et en particulier pour ces jeunes qui n'ont pas de réseau, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques sur leur parcours. Et puis la confiance en soi. C'est-à-dire, on a aussi des jeunes qui, pour beaucoup, se sont mis des barrières mentales et se disent « les filières longues, c'est pas pour moi, les métiers les plus prestigieux, c'est pas pour moi ». Donc nous, notre idée, c'était de créer un accompagnement extrascolaire, hors l'école, avec des bénévoles qui se mobilisent à leur côté. Donc c'était ça l'idée de Passeport Avenir. En fait, fondamentalement, le métier qui reste celui d'Article 1, c'est de recréer des rencontres. Alors, le combat pour la diversité, pour l'égalité des chances, il touche aussi au handicap. Et donc, en 2008, tu crées l'ARPEJE, ouais. Parce que le handicap, c'est aussi un combat qui touche à la diversité en entreprise et à l'égalité des chances. Oui, 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 qui se pose un peu différemment. Pour les jeunes en situation de handicap, une des grosses difficultés, déjà, c'est de se projeter dans les études jusqu'au bac. Puis après, pour certains, vers l'enseignement supérieur. Et le constat, c'était que beaucoup de ces jeunes et leurs parents ont finalement une vision extrêmement réduite des métiers possibles. Et donc nous, ce qu'on voulait faire, c'était leur présenter les dispositifs d'accessibilité des entreprises, ouvrir les portes des entreprises, les accompagner pour finalement enrichir la palette des possibles et qu'ils se disent avec le handicap, il y a aussi une foultitude de manières pour trouver sa voie. Ça te vient d'où, cet engagement pour l'égalité des chances, Benjamin ? Écoute, moi j'ai une famille d'origine modeste, on va dire, mais qui a trouvé sa voie à peu près grâce à l'école, donc j'ai un peu ce cheminement-là. Mais surtout l'élément déclencheur, c'est que j'ai grandi dans un endroit un peu particulier. Mon enfance, je l'ai passée sur l'île de la Réunion, qui est un melting pot culturel assez extraordinaire. Et je suis revenu en fin de lycée, en métropole. Et là, je me suis pris une claque parce que j'ai eu le sentiment que ici,
Les gens étaient divisés en fonction de leur couleur de peau, de leur origine sociale, n'allaient pas dans les mêmes écoles, n'habitaient pas au même endroit, n'avaient pas les mêmes avenirs. Et j'ai trouvé ça profondément injuste. Et donc, je crois que mon engagement est né de là et j'ai été, tout au fil de mon parcours universitaire, puis ensuite professionnel, engagé sur la lutte contre les discriminations. Et puis, l'année dernière, en 2017, alors il se passe quelque chose d'important chez Passeport Avenir, c'est que vous décidez de fusionner avec une autre association. C'est très rare dans le monde associatif de voir des fusions d'associations. Vous fusionnez avec Fratelli et vous créez Article 1. Oui. Pourquoi avoir décidé de cette fusion ? Écoute, on avait deux associations qui étaient nées à peu près en même temps, aux alentours de 2005, qui faisaient à peu près la même chose, accompagner des jeunes talents venus du milieu populaire dans leur parcours d'études jusqu'à l'emploi. Les méthodes étaient un peu différentes, mais fondamentalement, on faisait la même chose. Ce qu'on s'est dit avec Boris à l'époque, c'est qu'on avait deux assos qui faisaient bien leur boulot et qui étaient face à un risque. Le risque, c'était de devenir des associations alibi. Le risque, c'était simplement d'avoir juste des assos qui servent de caution à un système où il y a beaucoup de reproduction sociale et où effectivement, à quelques exceptions près, on n'arrive pas à faire changer fondamentalement la donne pour les jeunes de milieu populaire. Et ce qu'on s'est dit, nous, c'est que ce n'était pas notre ambition. Donc l'idée de s'associer, c'est pour faire en sorte de devenir systémique, pour faire en sorte d'avoir une solution qui touche non pas quelques milliers de jeunes, mais des dizaines de milliers, pourquoi pas des centaines de milliers de jeunes français, c'est de servir d'exemple aussi pour que d'autres assos sur les questions d'égalité des chances, concernant d'autres publics, par exemple les décrocheurs, les bac pro, les gens qui veulent aller vers l'artisanat, etc., puissent proposer des solutions à cette jeunesse. Donc c'était vraiment ça l'idée, faire plus, avec aussi un constat d'urgence. On est dans un moment où beaucoup de jeunes de nos quartiers populaires, de zones rurales isolées, de bassins désindustrialisés, ont une confiance en l'avenir, on va dire pour le moins limitée, avec pour beaucoup aussi un sentiment de colère. Et nous, on se dit qu'il faut absolument aller chercher cette jeunesse, pas simplement pour éviter qu'elle ne se mette en colère, mais aussi parce que les talents sont là. Voilà. Et les talents dont on a besoin demain dans tous nos métiers, le digital, la direction d'entreprise, l'administration, les artistes. Il y a une foultitude de métiers dans lesquels ces jeunes peuvent nous apporter énormément. Dernière question, Benjamin, article 1, pourquoi ce nom ? Écoute, déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Première partie, et nous, il nous semble qu'on est encore loin du compte. Et la deuxième partie, c'est les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Donc nous, on considère qu'il peut y avoir des distinctions, mais que ces distinctions, elles doivent être fondées sur ce qu'on amène à la société, pas sur l'endroit où tu es né, pas sur ta fortune. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on travaille, en ce sens que l'on dit aux jeunes que l'on suit, on va vous aider à trouver votre voie, à réussir, entre guillemets, avec plein d'interrogations autour de ce terme. Mais n'oubliez pas que la réussite, elle sera collective. Donc vous devez demain être des acteurs du changement, vous devez demain vous engager face aux nouveaux enjeux climatiques, sociaux qu'on peut avoir. Au-delà de votre réussite individuelle, vous êtes aussi ceux qui allez construire le futur.